Alors aujourd'hui, pour donner la forme courbe à cette structure là, j'avais posé un squelette en bois comme je fais d'habitude. Et en fait, comme là-bas, fallait renforcer, au lieu de remettre un squelette en bois, bah en fait j'ai glissé des tubes courbes, des tubes de serre-tunnel que j'avais acheté il y a déjà pas mal de temps. Et en fait, ça donne. Alors, ils vont pas jusqu'au bout, tu vois, mais ils sont pile poil dans la même courbe. Ça, c'est assez incroyable. Ils sont pile poil dans la même courbe et ils vont jusque-là. Bon, j'en mettrai deux. Là, je vais prolonger avec un autre qui viendra pour ce côté-là, quoi. Donc là, je suis en train de remettre un autre. Et aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui vient m'aider. On va faire un puits de lumière, là. Enfin, on va commencer un puits de lumière et puis peut-être ici. Là, il y a vachement de trucs à faire. Vachement de trucs à faire. Bon, allez, à plus tard. Alors, ça y est, hein, on a passé les tubes comme on avait prévu. Hop. Là. Et là, on va faire une baie. Alors là, c'est un peu particulier. J'ai envie de faire une baie. Donc, ce serait un bureau ici. Je vais faire une baie et deux petites fenêtres. Une petite fenêtre qui donnerait sur la gauche et une petite fenêtre qui donnerait sur la droite. Pour ça, j'ai besoin d'une chaise. Bon, celle-là, elle n'est pas adaptée. Hein. Je vous expliquerai dans une autre vidéo pourquoi. Donc là, on va prendre un... Alors, je voulais le faire avec un gabarit que j'ai en bas, en fait. Gabarit en métal, mais c'est trop lourd. Beaucoup trop lourd. Le gabarit qui m'a servi à faire les autres baies, il est beaucoup trop lourd. Donc, je vais le faire avec une baie en bois que je vais couper. Et enfin, que je vais démonter de l'endroit où elle est pour la fixer sur des poteaux et la mettre ici, quoi. À la bonne hauteur et tout. Je vous explique tout ça dans une prochaine vidéo. Pas plus. Là, on démonte la baie. On va la démonter de là où elle est. De toute façon, on ne sert plus à rien maintenant. On sert avec guide. On va la démonter. Donc, on coupe les barres pour pouvoir la mettre au-dessus. Non, c'est d'abord moi qui vais poser. Donc là, on a fixé la baie juste devant. Hop, voilà. Et ce qu'il nous reste à faire, ce qu'il nous restera à faire dans le ferraillage, c'est à droite là. On va faire une autre petite fenêtre là. Et à gauche, pareil, une autre petite fenêtre. Histoire d'avoir un bureau là, avec trois fenêtres. Trois vues différentes. Et là, on est à la bonne distance. On avait mis une chaise là, pour regarder et voir à peu près la hauteur.